Bonjour, bonjour. Ouais, alors du coup, je vous dis déjà, hop, ça. Merci Antistream pour le follow. Je mets à jour les follow et j'arrive. Très haut. Pas droit. Bon, hop. Je sais pas combien on est, mais. Voilà, on est beaucoup, je crois. Je vais devoir checker. J'ouvre. Attention, j'ouvre Twitch. D'ailleurs, je n'ai pas mis la lumière. Oh, je vais tout casser. Est-ce que ça change un truc? Un peu? Oui, un petit peu. Ok, alors, mise à jour de follow vite fait. Ouais, alors en fait, j'ai toujours pas trouvé la manière de faire pour pouvoir que ce soit quand c'est des follow en dehors du stream. Donc je fais à la main. Merci Spino Pizza pour ce follow. J'imagine que ce sera pour demain plus, vu que c'est pour la race tue deux fois que tout le monde a follow. Que je vais lire demain. Il faut que je m'organise bien. Petit chouchoute peut-être. Comment on fait les chouchoutes déjà? Chat at user anti-stream. Ça s'écrit comme ça? Il n'y a pas de L, je sais plus. J'ai un doute. I have a dot. Il y a un L. Voilà. En plus, le truc d'hier, c'était dur, dur. Ah, mais on est à 370, comment c'est possible? Pourquoi c'est noté 370 alors qu'il est marqué 368 du côté dashboard? C'est trop bizarre, cette histoire. Compte n'est pas bon. Oui, voilà. 3702. Lol. On n'y est pas. Avec la meilleure musique de Dandara, bien sûr. Bienvenue, bienvenue. On va jouer à Baldur's Gate. First Edition, sans mode. D'ailleurs, j'ai appris qu'on pouvait romancer, chose que jamais appris qu'on pouvait romancer. Peut-être qu'un jour, j'ai appris que Razad et Dorn pouvaient romancer, mais du coup, je débarque, hein. Ouh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là, de cheveux? Est-ce que c'est parce que j'ai fait du skate? C'est possible. J'ai pris du vent dans l'air. J'ai essayé un peu de faire du skate, j'ai fait des descentes aujourd'hui. Vu qu'il fait beau, il commence à refaire beau, donc du coup il pleut plus. Et du coup je peux ne plus glisser sur mon skate, ce qui est pas mal déjà. Vu que j'ai un spinnyboard. Bon bref. Est-ce qu'on jouerait? Hein? Va nous arriver, hein. Je sais plus à combien on est de morts, mais pas mal, j'imagine. Je reviens sur la bonne fenêtre. Ok. Alors, normalement, si tout est bien, j'ai organisé le truc de façon à ce que je sois bien au bon endroit. Ah oui, purée, on est chez la tour de Durlag, on est revenu. J'avais oublié cette histoire. Bon, on va envoyer Khalid faire le tour. Je ferai de mon Il va mieux. plus vite que les autres. Ah oui, c'est vrai que lui, il y a une discussion. Que voulez-vous? Ah oui, la dette, pouvez-vous vous en quitter en me donnant quelque chose? Avez-vous quelque chose de valeur? Je n'ai nullement besoin de vos services, considérez votre dette réglée, je vous libère de tout contrat. Vas-y, salut. Vous parlez des temps anciens comme s'ils n'avaient aucune importance, mais vous savez bien, quand les hordes sont venues avec des visages amis, vous avez combattu quand moi je n'ai pas voulu. Pas pu. Je n'appartenais pas à votre clan, et vous avez défendu. Quand tous se sont retournés contre. Est-ce que vous entendez les travaux? Apparemment non. Peut-être quand je parle. J'espère que c'est pas trop enquiquinant. Comment on va faire? Je vais devoir vérifier. Excusez-moi, il va y avoir un son double, vu que je n'aime pas écouter ma voix.
Donc pas de retour direct. J'ai été libéré de la vie, mais jamais de ma dette. Ne me repoussez pas. Un ami ne me repousserait pas. Vous êtes différent. Vous n'êtes pas la même. Vous n'êtes pas Durlag. Mais je... Oui. Je ne suis pas Durlag. Attaque-moi. Oui? Appelle mes potes. Ma lame vous coupera en morceaux. La team tueur de mages est là. C'est bon, on est parti. Ce qui se passe, vous êtes une bien étrange personne. Mais il est parti. Fallait pas faire ça, fallait dire qu'on était Durlag. Bon, on va dire qu'on est Durlag, hein, si c'est ça l'histoire. Oh là là. Oui, bien sûr. Nous on veut des quêtes, on veut de l'expérience les gens. On cherche à avoir de l'expérience pour pouvoir taper sa révoque. On est à la fin. S'il vous plaît. Respectez-nous. Bon là y a plus de travaux bien sûr. C'est le bon moment. J'essaierai pas tout de suite du coup. Ah ça y est. Bonjour, est-ce que vous m'entendez les travaux? J'ai pas l'impression. Bon, on verra plus tard. Vous m'avez manqué. Vous êtes étrangement poli aujourd'hui, Durlag. Il me semble que vous êtes plus grand. Donc, dans mon souvenir. J'ai dû attendre aussi longtemps. De quelle dette s'agit-il? Avez-vous quelque chose que je pourrais accepter en paiement? Mais on n'est pas Durlag. On n'est jamais Durlag. Allez, tue-le. J'en peux plus. Tue-le. Voilà, bloquez-le. Oh là 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 là. Bon, c'est pas dur lag, hein. Bon, on continue. Ah, il est là. Il est apparu là. Il est là. Il est dead. 3750 points, c'est trop bien. Dorn peut envoyer de la confusion? Non, c'est Dorn qui est confus. Dorn, tu peux rester là si tu veux. Depuis que je vous aide, s'il n'y a pas le choix. On va envoyer Imoen aussi. Parce qu'il y a des pièges. S'il n'y a pas le choix. C'est verrouillé. J'ai de l'expérience. Oh là là. Des potions. Qui a la pochette de potions? Je crois que c'est Khalid. Va chercher. S'il te plaît. Qui attaque? Qui? Personne. Tout va bien. C'est la sortie de Dorn de la confusion, d'accord. Pas lui qui a la potion. Ah, on a une potion de vulnérabilité. C'est bien ça. Là, il y avait un piège, je crois. Il y a des blèmes là-haut. Oui, c'est fait. J'en ai assez. Rien ici. Ah, si. De l'argent, ouais. On est déjà méga riche. Une tâche facile. Garde sur le chemin. Ouais, là. Vous avez besoin de quelque chose? Salut Strega, j'espère que tu vas bien. Vous avez besoin de quelque chose? On refait ce qu'on avait commencé à faire avec la tour de Durlag. Votre nom vous-même, je doute que vous soyez Durlag. Vous êtes donc autant d'un truc que moi. Bien vu, petite tête. Il s'avère que je suis pas là, hein, qui est mort depuis quelques siècles. Bien vu, ma question est toujours valable. Qui êtes-vous? Je me moque complètement de ce que vous faites dans la tour. Je veux juste savoir pourquoi vous arrivez furtivement par derrière comme ça. J'aime pas ça. Ça me rend nerveux. Je ne suis pas votre ennemi. Rigilo, c'est mon nom. Je n'ai pas la moindre envie de partager cet endroit. Il y a bien d'autres niveaux. La journée commence tranquillement. Bah, c'est tant mieux. Moi, j'ai tenté de faire une pente en skate aujourd'hui. C'est dur. C'est dur, la vie. Est-ce que tu entends par hasard les travaux derrière? Ces fameux travaux qui ont décidé de creuser sur au moins 500 mètres de profondeur. Je partagerai tout ce que je trouverai avec vous. D'ailleurs, j'ai le droit maintenant à un siège vibrant.
C'est beau. Si je m'indignais du fait que vous me dites où aller, je pourrais m'énerver. Oh, venez, je partagerai tout ce que je trouverai avec vous. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, le jour où un rat de donjon partagera son bulletin et gèlera dans les 9 enfers. Vaquez à vos occupations et si jamais je reçois une pièce de votre part, votre surprise sera plus totale. Mais c'est bon, en fait, on a fini le donjon. Salut. On va pas te tuer, mais tu nous as saoulés. C'est un piège! Non! Moi, je m'en vais. Oh non, il y a une musique expérimentale derrière moi. Dieu. C'est de la concrète. Musical concrète, you know. Je peux pas ouvrir ça. Hein. J'ai pas le niveau. Pas le niveau. Toujours pas le niveau pour les pièges de Durlag. Hein. C'est dur la vie quand même. C'est très très dur. On peut rien ouvrir, c'est incroyable. Bon, les pièges non désamorcés, c'est en abandonne. Hein. Là, y a rien. Ah oui. Peut-être un piège, mais on s'en fiche. Je me rappelle plus. Ah oui. Bon, le traité, faut que quelqu'un puisse prendre le traité. Dorn, va prendre le traité. Tu peux le caser à côté du chat mort que tu te trimbales depuis trop longtemps. On sait pas quoi faire avec ce chat mort. D'ailleurs, faudrait que je cherche dans les solus de Baldur's Gate. Ouais. Et maintenant, c'est faire un truc avec ça, hein. À un moment. De l'argent. Exactement, j'en ai eu trop. Enfin, trop. Est-ce qu'on peut dire qu'on en a trop? Moi, je sens pas du tout la pression, bien sûr, pour demain. Et apprendre à bien lire. Avant demain. Bon. Oui, bien sûr. Ouais, bah la plupart des follow qui sont ici, de toute façon, c'est grâce à l'anti-stream, hein, ouais. Il y a eu 7 personnes pendant que j'étais pas là. Parce que j'étais énervé des propos tenus hier par une partie de la gouvernance. De mémoire, il n'y a rien dans ces portes. Tu vas où, Géa? Bon, je t'attends. Hein. On adore, de toute façon, on va pouvoir prendre tout ce qu'on veut. Je sais plus, il y a un livre qu'on cherche. Il y a quelqu'un qui cherche un livre. Mais je sais plus ce que c'est. On les lit, hein, bien sûr. Ah non! Je le prends pas, bien entendu. En vrai, je devrais les prendre pour pouvoir voir si c'est le livre que je cherche depuis énormément de temps. Valombre. Alors, on va le checker vite fait. Quelqu'un qui cherche un livre. Oh là là, la chasse au trésor. Le trésor détenu par un monstre, on l'a pas trouvé. Le Samuel le déserteur, on a dit qu'on balancerait pas les déserteurs. L'ascension. Ça, on l'a déjà fait, c'est la fin. Elle dit avoir fait le trajet d'eau profonde jusqu'à Barbara. Mendas doit savoir sans doute venir d'ailleurs. On sait pas du coup, on n'a pas retrouvé Mendas. Le home. Sur un corps pétrifié qu'on n'a pas trouvé, et le seul vestige d'une ville commerçante elfique détruite il y a 200 ans. Ça, le ruine de Flamme 20, je vois pas ce qu'on peut faire. Un groupe d'hommes nous a attaqué, il y avait rien là-bas en plus. Hein. À la tour de Durlag, ils convoitaient une dague que j'y avais trouvée, mais avant mon refus, ils sont passés à l'attaque et l'ont volée. Il va falloir que j'enquête là-dessus. Mais ça y est, on a déjà fini, on a battu tout le monde. Des gnolls, un go, des parages, sous prétexte qu'il aurait pu les dévorer, il est probable qu'elles soient toujours en vie. Ah, j'ai failli faire tomber tout mon café. Le drame. J'ai pas pu tout suivre hier, les nouvelles sont pas réjouissantes. Non, non, c'est clairement c'est très très dur. Très très dur, très 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 très, très dur. Combattante, ça on l'a vu, mais c'est pas ça. On nous a signalé un campement d'ogres, mais on l'a pas trouvé non plus. Pan. Les possessions de l'Andrin, on a toujours pas trouvé les bottes. Rides métamorphe clame qu'il y a dans cette vie. Ah, peut-être qu'il faut aller voir Londres. Hein. Même si ma première rencontre avec Voltine s'est mal passée. Je viens de rencontrer Jared. Puis des ours qui apparemment sont installés de l'autre côté de ce pont. Les ponts de flamme 20, j'imagine. On dit qu'il se passe d'autres tranches choses au nouveau quartier. Mais ça, on l'a déjà fait. Pourquoi c'est pas acté tout ça? J'ai informé qu'il existait un passage secret en direction des ruines du plan. Mais.
Mais ça, on l'a déjà fait aussi. Un prêtre étrange qui vit dans les bois des dents acérées s'est fait dérober son parchemin de la sagesse. Alors, parchemin de la sagesse, je ne sais pas où on va le trouver. Par contre, qu'il y en a pour gouverner, mais ça, on ne sait pas. La cape, je pourrais le trouver à l'auberge de Feldpost. Okay. Bah, on n'a pas volé. Événement important. J'ai trouvé mon chemin à travers le labyrinthe et dans Ombreville, ça invoque ce cache à proximité, je dois le trouver et le tuer. Eh, ça se trouve, on n'est même pas à la fin. Hein. Je suis choqué. Hein. Oh là là. Je ne peux plus de ce jeu. J'en peux plus de ce jeu. J'ai envie de jouer à Donkey Kong. À d'autres King Kong, bravo. Bravo, c'est close caption. C'est beau. Donkey Kong. Voilà, merci. Va falloir que j'articule bien parce que je... demain, ça va être complexe. Alors, il y a en haut ici et il y a en haut là, je crois. Là, on descend, je sais plus. On va le voir. On va aller là-haut, là, déjà. Il y a un endroit où c'est pas la fête. Razad qui a décidé de prendre le chemin le plus long possible. D'ailleurs, Razad, j'ai vu... ouais, tu peux romance, mais comment on romance? Je ne sais pas. D'ailleurs, ouais, peut-être que les épées, ça ne te sert pas à grand-chose, vu que t'es censé être point nu. T'es un peu à walper. Faut peut-être te trouver aussi un casque. Ça pourrait être pas mal. Hein. Casque. Et qu'est-ce que quelque chose d'autre? Ouais, un truc pour le corps. Ouais, je vais changer, mais c'est juste que... Une tâche facile. En fait, je me suis lancé un défi de finir Baldur. J'avais découvert au collège. Il y avait un pote qui l'avait. Un peu plus... fourni en matériel. Pour ne pas être trop agressif. Qui m'a dit, ouais, c'est un trop bon jeu et tout, ouais, regarde, tu peux jouer à des trucs. Et du coup, moi, j'ai cliqué, j'ai fait mes... Moi, j'avais que l'habitude de jouer à des trucs genre Metal Slug. Et Quake. Donc du coup, la vitesse, elle était pas là, quoi. Disons. Mais alors que Metal Slug, c'est quand même très très rapide. Faut avoir de la vitesse, quoi. Et pour demain, tu sais, imagine simplement que tu lis pour quelqu'un que tu apprécies. Ah ouais, c'est vrai que ça peut marcher. Attendez, je suis en train de me faire tabasse. Non, mais je vais essayer de faire un peu d'effort. En général, je lis des trucs comme ça, de temps en temps, quand il y a des choses qui m'énervent, qui se passent. En général, je lis. Le truc, c'est que il n'y a jamais eu vraiment beaucoup d'audience. La dernière fois, j'ai lu, c'était quoi, Contrat racial ? Pas beaucoup de monde. Là, c'est un peu un qui tout double parce que j'ai remarqué que il y a pas grand monde le vendredi, ce qui est normal parce que c'est le début du week-end, donc les gens, enfin, que vous ayez autre chose à foutre que de regarder Baldur, clairement. Faire autre chose. Ah, là c'est la descente. Ok, donc du coup on va descendre. Et donc ouais, c'est un petit qui tout double. Je remarque du coup de plus en plus pourquoi les gens font le même contenu partout, de lire des articles, etc. Enfin, partout dans notre groupe social, on va dire. C'est comme si c'était fait. Sachant qu'en plus, je voulais regarder une vidéo sur la mid-journée, là. J'étais tombé sur les personnes qui ont écrit l'article, ont fait aussi une vidéo. Jamais y arriver, hein, les crochetages de serrure, c'est infâme. Donc, je te lis jusqu'au bout. Tu lis pour quelqu'un que tu apprécies comme si t'étais juste avec cette personne, ça fait sauter un peu les envies de perfection impossible à atteindre. Non mais oui, mais de toute façon, je veux pas un truc parfait. Mais je vous allez remarquer que de toute façon, je fais très peu de commentariat de ce que je lis, donc... C'est plus une introduction en lisant. Je propose la lecture de l'introduction, quoi. Voilà, on va regarder surtout les trucs intéressants qui sont la découpe du livre et ce genre de choses-là. Par exemple, les chapitrages, etc. Peut-être des passages. J'avais fait aussi pour l'écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. Où là, c'était un peu plus spécifique. J'étais allé chercher
la thèse que Malcolm Ferdinand a fait sur justement le rapport à la plantation. Et c'est là où j'ai bugué la dernière fois. Plantationocène, qui est un principe particulier. Salut Raving Bell, j'espère que tu vas bien. J'ai promis d'accompagner une personne âgée au marché demain matin. Oui, ma vie est passionnante, mais je pense que je serai rentré à temps. Non, mais oui, bah, attends, mais il faut accompagner les personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Hein. N'hésite pas. Et ta vie est passionnante pour ça, justement. Il y a beaucoup de gens qui le font pas. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu de compagnie. Et maintenant, eh bien, regardez-vous. Si viril, un vrai mâle. Et vous êtes qui? Vous restez près de moi. Ma solitude serait bien grande sans vous. Ma chère dame, pourquoi vous morfondez, vous, ici, depuis longtemps? Je comprends rien, j'arrive pas à lire. Pourquoi vous morfondez-vous ici depuis si longtemps? Ne m'approchez pas, mon temps est précieux et ces distractions ne m'intéressent pas. Pourquoi pas, bien sûr, je resterai avec vous avec beaucoup de plaisir. Ne jamais dire non à un joli minois, c'est ma devise. Ouh là là, déjà, joli minois, ça m'a interdit tout de suite cette phrase. Désolé, madame, je n'ai tout simplement pas le temps. Toutefois, je m'engage à ouvrir la voie pour vous. Ah, ça, j'aime bien. Votre offre n'est pas vraiment ce que j'attendais. J'ai bien peur de vous devoir insister. Je dois même l'exiger. Ah non, excusez-moi. Là. De quoi, de Malcolm Ferdinand? Je crois que... Check. Ça va. Ça va, ça va. J'espère que tes lives se passent bien. J'ai pas trop la possibilité de passer de te voir. Je t'avoue. Mais Kokoro, hein, comme tu dis, sur toi. Et j'espère que Kira va bien, j'espère que toi tu vas bien, voilà. Salaud Durlag a pris mes ailes et m'a emprisonné, mais je peux encore m'occuper de votre âme misérable de mortel, je finirai comme, pas comme Aek, pas question, mais tu vas mourir du coup. Là, voilà. Kirin Hall a décidé de décéder dans les mains de... Ah mais Kirin Hall a un... Non ! Khalid ! Fuyons Khalid. Yonkaïd. Attendons qu'il se remet de ses émotions. Kira va très bien. J'ai eu une violente migraine mardi, mais sinon je me porte bien. Ah, violente, c'est... Ah, donc... Oui, donc du coup, on peut romancer dans ce jeu. Alors, je ne sais pas du tout comment. Peut-être qu'en discutant, par exemple, si je fais discuter Razad avec... Ah ouais, mais Imoen, elle a 15 ans. On va pas faire romancer Razad avec Imoen. Mais alors du coup, oui, ils ont des préférences, quand même, de romance. Khalid ne peut pas romancer avec qui que ce soit, sachant qu'il est marié avec Jaira. Donc, Imoen a 15 ans, donc on va peut-être pas faire ça non plus. Donc en fait, les seules personnes qui pourraient romancer, c'est Dorne avec Razad, parce que Dorne, d'après ce que j'ai compris, n'a pas de choix. Dans le genre. On n'a pas de choix. A le choix dans le genre. Je sais pas exactement comment tourner cette phrase. J'ai mal dit, sans doute. Ah ouais, non mais laisse tomber. C'est normal que t'es angoissé. Du coup, tu sais peut-être la provenance. Mais tu reviens quand? Tu reviens quand? Dans notre équipage. Ah, il a un charme néfaste. Intéressant. Comment on va faire? Oui, aux figures autoritaires omniprésentes. Est-ce qu'il lance des jets de sauvegarde au moins? On sait même pas. On revient en arrière. Je veux pas que ça se passe comme ça. Une tâche facile. Destinée ou pas, je ne donne pas cher de ma peau. C'est vraiment une terrible histoire. Je me suis aventuré ici il y a quelques temps et ce n'est tout simplement pas prudent de partir toute seule. Tellement de dangers et personne pour me guider. J'ai perdu presque tout espoir. Pourriez-vous rester ici avec moi? Je me sens si seul. Seul ou pas, je ne peux pas rester. Ah, excusez-moi, j'ai entendu mes haricots rouges. Excusez-moi, je prépare une cuisson de haricots rouges. Deux minutes, j'arrive. À tout de suite.
Quel streamer indigne, je ne vous ai même pas mis le son. On repart. Oui, mais je prépare une petite cuisson d'haricots rouges parce que c'est des haricots secs. Du coup, faut préparer à l'avance. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, Genre, tu les fais cuire et tu les laisses reposer dans l'eau. Alors, j'ai déjà fait le repos dans l'eau. Enfin, on l'a déjà fait plutôt. Et. Non, c'était la cuisson. Le temps de trempage, j'étais déjà prêt. Là, c'était juste vapeur. Mais après, je sais jamais le bon truc. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de jeu. Je suppose que je pourrais vous distraire un petit moment. Je n'ai jamais su dire non à un jeu mineur. Est-ce qu'on dit ça? Alors que bon, j'ai pas envie. Après, on va se faire taper. Je fais une pré-cuisson plus trempage. Pré-cuisson plus trempage. Moi, j'ai fait trempage parce que c'était sec pour pouvoir qu'il reprenne un peu d'eau. Vapeur. Enfin, moi. Pas que moi. Bon, j'ai cliqué sans regarder. Ce n'est pas bien. Excellent. Même si un petit moment, ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Vous voyez, il s'agit d'un tout petit, d'une toute petite malédiction que ce vieux mesquin de Durlag m'a lancé. Un petit truc de rien du tout, en fait. Mais j'ai besoin de votre aide. Vous voulez m'aider, n'est-ce pas? J'ai besoin de quelqu'un de courageux, de fort pour faire quelque chose pour moi. Vous devez rester ici à ma place. Le ferez-vous? Le ferez-vous? Non, je m'en vais. Allez, salut. Hein. Salut. Non mais faut. Merci, Moen, d'avoir répondu. Allez, allez, allez. Voilà, merci. Échec du test moral. Y a une fuite. Il y a une fuite. C'est un éthéré. Il y a une fuite. Donc, pas de temps d'expérience là dans cette histoire? Bon. Une tâche facile. Ouais, parce que moi je fais trempage. Enfin, l'idée c'est trempage d'haricots et ensuite. Après, c'est vrai que toutes les techniques sont bonnes à prendre. Hein. On prend. Hein. Bon, on va sauvegarder là parce qu'elle est partie en fuite. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Tout est. Tous et toutes. Toust. Razad. Va, Razad. Une tâche facile. Oh! Une hallebarde bleue. Allez, on prend. On sait pas à quoi ça sert, mais c'est bleu. Voilà. Donc en fait c'était ça, tu montais dans les trucs de. Tu montais dans les tours, comme on dit. Et tout d'un coup tu découvrais que. Ça ramollit mieux dans l'eau de cuisson chaude. Oui, après je ferai une deuxième cuisson quand même. Pour réchauffer. Ah du coup j'ai mis la pause, il y a du monde qui est parti, hein, j'ai vu. Hein. On était 4 avant, maintenant on est 2. Voilà, tout ça parce que Hermès il fait des. Il rentre comme ça là, dans des endroits. Là. Ah non, mais c'était pas par là du coup. C'est là qu'il fallait. On va peut-être sauvegarder. Faire dodo. On va faire dodo déjà. Ah mais oh! La caméra elle tremble! Ceci n'est pas un effet spécial. Ceci est l'effet des travaux. C'est incroyable. C'est rigolo quand même. C'est une histoire quand même. Est-ce que vous entendez plus fort ou pas? Parce que j'ai quand même fermé des fenêtres là. C'est où qu'on doit aller? Et la police tue? Oui, bien sûr. Salut Morzin, c'est rare les streams de francophones sur BG1. Ah, mais elle est là. Gorion serait fier de Eh ben, vous. bienvenue. Personne n'a décidé de. Ah non, il est néfaste! Oh là là, JPP! Ici, on utilise. Je sais pas si tu connais la technique du tactical sleep to heal, qui nous permet de survivre à l'ensemble de ce qui se passe. On n'a pas réussi à romancer, on est à la fin déjà. On a déjà rencontré Sarah Vok à Ombreville. Mais on s'est dit, bon, on n'a pas le niveau, c'est un mage, on n'a aucun mage, on jouera jamais avec des mages. Ah tiens, voilà, bim, 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 boum. Allez, tapez là! Elle va nous tuer! Elle s'est téléportation sans erreur. Attendez.
Je suis désolé, mais il va falloir faire quelque chose. Boum. On lui pique sa vie. Puis-je vous aider? Tu la frappes. Là, sur le coup, je suis désolé, mais on va devoir la frapper. Je veux l'immobiliser. Avec... GR1, on va faire une immobilisation des animaux. Non. Fourvoiement magique, comme ça, elle ne nous lance pas son charme, là. Vous êtes une bien étonnée. Oui, lance tes flèches qu'on a trouvées par terre. Et toi, t'as quand même des flèches un peu plus intéressantes. Lance-lui. Ah non, ça c'est pour Sarah Evoque. On a dit qu'on gardait les... on gardait ça pour Sarah Evoque. Hop, bim. Vous pouvez lancer des flèches maintenant. Pas morte. Mince. Je suis souvent dépité par les stats de visionnage et genre 20 lurkeuses et 5 personnes qui sont vraiment là. Oui, mais ça, c'est ça, à la limite, c'est pas trop... Moi, je pense que... Ah ! Non ! Pas le charme ! Voilà. Il faut qu'elle s'en sorte plus. Du tout. Je ne veux pas de charme néfaste. Oh, tu es là. On sait pas comment on va s'en sortir. Allez ! On n'a pas de mage, hein. Oubliez pas, hein. Voilà. Bim, bim. Oh, pauvre Kirinal. Ramasse tes affaires, hein. Du coup, salut. Je suis sur ma boucle BG1, BG2, BG3. Il n'y a que Dragon's Dogma qui pourra me sauver, je pense. Le premier, j'ai give up. Souvent, à la mettre en mode histoire, il est hardcore. Ouais. Je sais plus à combien de vie on est. De dead. D'ailleurs, j'ai un truc dead pour savoir le dead count. Je crois qu'on a 84. Mais on a compté que les morts de Roland de la Tour-Bresson. Donc voilà. Sachant que les autres, ils sont pas morts. Parce qu'en fait, en vrai, vu qu'on sauvegarde et qu'on fait dodo et qu'on re... Voilà. Là, on est à la tour de Durlac, mais on l'a déjà fini. Hein. Là, on fait genre... On est à la recherche de points d'expérience. Pour aller taper Sarah Evoque en toute décontraction, bien sûr. Si je reclique là, on descend. Hein. Ah non. Oui, je sais plus. On descend, on monte. Je comprends plus rien à ce truc. Je sais plus où on est. Beaucoup plus équilibré. Il est pas hardcore, voyons. Trezvis n'est pas du tout constamment en train de safe scam. Non, c'est... Oui, bien sûr. Oh oui, bien sûr. Quel mensonge! Est-ce que le fait d'avoir sauvegardé avant n'est pas une partie du jeu? Je suis désolé, là vous êtes en train de me casser mon idée du jeu. Comment ça? On n'a pas le droit de faire ça? C'est interdit? C'est fait. Je fais pas un speedrun. Découvre le jeu. Comment ça c'est interdit de sauvegarder? Alors qu'il y a une possibilité de sauvegarder en raccourci, s'il vous plaît. Que je ne connaissais pas avant. Le repos long en boucle, oui, voilà. Repos long et en plus avec, n'oublions pas, hein, la petite option qui est... qui est où déjà? Quelque part là. PV max pour niveau... non, c'est pas... Repos jusqu'à guérison, bien sûr. Bien sûr, toujours cocher ça, hein, bien entendu. Parce que quand on fait dodo bien. Rappelez-vous. Baldur's Gate nous apprend qu'il faut savoir dormir le plus possible pour lutter contre... la surproduction capitaliste. Oui, le repoulant en boucle, voilà. Bon, je crois que je me suis perdu, je sais plus où aller. On est d'accord que ça fait que monter là, et ça fait que descendre ici. Donc logiquement, si je monte là et que j'arrive ici, et que j'ai pas d'autre moyen de monter, ça veut dire que je suis en haut. Le DLC, c'est-à-dire, il y a un DLC. Une tâche facile. Non, je suis à la tour de Durlag, c'est pas un DLC ça, non? Je sais pas, moi, je connais pas le jeu. C'est fait. J'ai jamais joué, hein. Je débarque. C'est pour ça d'ailleurs qu'on joue sans mage. Non, ça c'est parce que j'aime pas les mages. Bon, bah je crois qu'on a fait toute la tour, hein. C'est fait. On est monté jusqu'en haut, mais on peut pas sortir. Alors attendez, parce que rappelez-vous, on voulait sortir parce qu'il y avait un passage externe. On n'arrivait pas à atteindre. Voilà, apparemment. On a tué tout le monde, sauf lui là, où on a dit, écoute, gars, on fera la tour, t'inquiète,
On l'a déjà fini avant qu'on te parle, mais c'est pas grave. Quoi, la tour de Durlag, c'est l'extension? Voilà, j'étais sûr que c'était l'extension. Vraiment, carotte un peu, c'est absolu ce jeu. Allez, on se barre, hein, j'en ai Tâche marre. Hein. facile. C'est même pas là. Ah! C'est une porte ça? Oui, une porte. Allez, on passe par là. Je sais même pas si c'est la bonne porte par contre. Hein. Là, il y a une porte aussi. Est-ce que c'est une porte ça? Ah! 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 On peut descendre ici. Comment ça? Voilà. Pour le plaisir d'aller là. Là, il y a une porte et là, il y a une porte. Incroyable. Qui aurait cru que ce coin-là. Regardez bien, regardez bien. Il fallait zoomer hein, pour voir que ici on pouvait descendre. Jim Dog a sorti une extension qui fait la jonction entre le 1 et le 2 qui est très sympa. Mais peut-être qu'on va faire ça. Hein. Ah, je suis immobilisé, pourquoi? Elle a déclenché un des pièges de Durlag. Quel enfer. On va l'attendre. Hein. Ok, du coup, bienvenue, hein. Merci de tes informations, Morzin. Hein. Ça me fait penser que j'ai pas pris ma cigarette électronique aujourd'hui. Where is? Ah, elle est dans mon sac. Oh là là. Est-ce que je vais tout casser? Oui, je vais tout casser. Allez, je casse tout. Si le stream se coupe, c'est normal. Hein. On attend juste GRA. Oh là là, je fais n'importe quoi, je tire sur des fils. Attention, est-ce que je peux porter 10 kilos à la main? Excusez-moi pour ce gros plan sur ma tête. C'est bon? Ah, elle a failli se faire avoir une deuxième fois. On peut descendre ou pas? Déjà vu cet endroit? Ça, c'est l'entrée principale. Pourquoi là il nous dit il y a un truc et on n'est pas allé là? S'il n'y a pas le choix, ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel et je ne veux pas y prendre part. Moi non plus. Moi non plus, Imoen. Oui. Apparemment, on est déjà arrivé par là. C'est très intéressant. Donc, on Une va passer tâche par là. facile. Un jour, on trouvera le chemin. Hein. Durlag est vraiment très très chiant sur l'architecture. Oh non! Un pétrifieur! Et j'ai même pas la main sur la souris! Oh! Ils ont réussi sans se faire pétrifier. Waouh! Bravo! Bravo! Un basilic mineur! Tué par vos soins. C'est beau ça! Regardez, j'avais même pas la main sur la souris et ils font mieux le travail que moi. Encore une fois, entre ça et le gars là, avec ce. Bon, on va prendre ça. Le gars, je me rappelle même plus, c'est le dragon là. Quoi? T'as plus de place? Ah ouais. Ah oui, c'est à cause du chat mort ça. Faut qu'on se dé vraiment qu'on fasse un truc avec ce chat, je comprends pas pourquoi on l'a encore. Mozin. Si t'as moyen de savoir, ou si tu sais à qui on doit remettre un chat, je veux bien avoir l'info. Bon, alors on est du bon côté de la sortie. On va monter. Est-ce que c'est bien les endroits qu'on n'a pas visités? Oui, exactement. Et là, c'est quoi? Ils disent qu'on a une autre entrée vers le second niveau. On peut vraiment accéder au second niveau uniquement par l'extérieur. Mais c'est vraiment l'enfer. Oh non! Vite! Oh là là, il est Malheur pétrifié. à vous, Khalid! Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Ok. Oui, bien sûr. On va se bénir des dieux avant. Hein. Comment on avait fait la dernière fois? Ah oui, on s'était pas caché dans l'invisibilité en tuant en Scred? C'est pas une histoire comme ça. Genre, on avait envoyé Roland de la Tour Brosson le fight. On va tester la bénédiction pour voir si ça c'est mieux. C'est ça la bénédiction. Ah, ouais. C'est pas un truc de groupe. C'est quoi déjà le truc de groupe? C'est ça, défense. Oui, bien sûr. Ah si, je crois que c'est un truc de groupe en vrai. Il y en a un qui prend plus. Et après, ça devient un groupe, c'est ça? Ouais, c'est Oui, ça. bien sûr. Allez, hop, on y va, on y va, on y va. On est béni des dieux. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Ma lame vous coupe Allez, en Razad, tu lui morceaux. fais des Kamehameha tout de suite. Ah non, mais il l'a déjà fait. Lol. Confus!
Confusionner cet enfer. Non, un truc, quelque chose. La convocation des animaux. Oh non, elle est pétrifiée, non. En plus, le pire, c'est qu'on peut l'avoir, en plus. C'est ça qui est grave. Regarde. Pas si compter sur la mémoire collective du chat. Oui, bien sûr. Ouais. Clem est occupé, d'après ce que j'ai compris. Il y a des piquets à planter. Et un utilitaire qui ne fonctionne plus. D'après ce que j'ai compris. Bon, je vais envoyer Roland de la Tour Bresson. Hein. On va faire comme ça. Bim. Oui, bien sûr. De toute façon, avec Roland de la Tour Bresson et ses flèches de glace, là, c'est bon. Hein. On y est. Hop, bim. Haha. C'est vraiment la mort, la pétrification. C'est dur, la vie. Hein. Ok. Une tâche facile. Comment on avait fait déjà, je me rappelle plus. C'est vraiment... On avait évité ces basiliques. Et on avait réussi à éviter jusqu'à là maintenant. Quel enfer de les retrouver. On a pas une potion de... Et non. On n'a pas une potion d'invisibilité dans notre contenant à plein de potions. Liberté, ça peut être pas mal parce qu'il me semble que ça permet d'éviter des trucs. Ah oui, les bombes lacrymaux. Allez, les bombes lacrymaux. Les molotovs, on les a. Les huiles de feu ardent, on en a 3. Faut qu'on en achète plus d'ailleurs. Huile de rapidité, rétrovision. Notre rapidité. C'est vraiment la mort, la pétrification. C'est dur, la vie. Hein. Là, on n'a rien. Et là... Je crois qu'on a une invisibilité quelque part. C'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Je vais pas la donner pour l'instant. Occupe-toi de ça. Hein. Aha ! On en a une deuxième. Potion de force. Génie. Génie, ça nous donne de l'intelligence pendant 3 heures. Statue. De rapidité, ok. On va y arriver. Pas besoin de... Non. T'as pas besoin d'une ceinture? Non, pareil. Allez, on cumule les flèches quelque part. Et on donne tout après à Imoen. Parce qu'on n'a pas besoin. Hop, invisibilité. C'est comme ça qu'on avait claqué toutes nos potions d'invisibilité au début. Hein. Rappelez-vous, c'était comme ça que ça s'était passé, je crois. On avait dit, ok, faut qu'on envoie Roland de la Tour Bresson flécher les basiliques. Et c'est comme ça que ça s'était déroulé. Sachant que les basiliques ne voient pas bien. Et hop! Piou! Ça va quoi d'être invisible dans ce cas-là? Ah, Dusby, si t'as eu de la chance, parce que je crois que c'est parce que t'es modo que tu n'as pas été ban. Comment on va faire? Le Dorn peut s'en sortir tout seul, d'après vous. En fait, je pense qu'il y a personne qui peut s'en sortir tout seul. C'est ça qui est dramatique. Comment on va faire? Alors déjà, on va faire dodo. Parce qu'on a besoin des pouvoirs de tout le monde. C'est possible qu'on puisse envoyer quelqu'un. J'essaie de réfléchir. Ah! Bonjour, bonjour. Merci pour l'argent. La caméra qui a décidé de bouger, bien sûr. Hein. Tout le monde a pu récupérer ses petits trucs. Le serviteur de Dame Nature attend.
Non, même pas. Même pas on fait des bons dodos là, c'est quand même grave la vie. Mais ne venez pas! Amitié, c'est bien ça. Comment on l'utilise? Ah, le moine il peut utiliser ça. Raza, tu peux utiliser amitié? Non. Quoi, pour pouvoir l'utiliser ce truc là? Niveau 1 en plus. Pourquoi je peux pas utiliser ce truc? Personne peut utiliser ça. Bon, je le laisse par terre. On peut même pas être ami avec les gens. C'est quand même grave la vie. Hein. Une tâche facile. Bon, je sais pas quoi faire, parce qu'apparemment on va se faire bomboclate à chaque fois. Est-ce qu'on a pu récupérer des trucs? Même pas. Ça me fatigue. Moi je veux la vie. Enfin, je veux les pouvoirs surtout. Ah bah merci, enfin. Ok. Donc, je me pose la question, si j'envoie... Je peux pas envoyer des animaux comme ça. Par contre, je peux quand même envoyer mon... Roland ? Oui, bien sûr. Bien sûr, fais tout le tour, hein. Bien sûr. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Parce qu'il y a une... Oh, ils sont 90 millions. Bon, allez... Et même pas une seule, tu vois. Il y en aurait qu'une bête. Je dirais rien. Mais là... Waouh, il y en a trois. Mais pourquoi on monte? Pourquoi on monte? Excusez-moi, hein, mais pourquoi on monterait là-haut? Il m'a repéré? Il est en train de me tuer? What the fuck? Basilic, vraiment, la pire des monstruosités, quand même. La pire des monstruosités, hein, les basiliques. On est invisible, gars! À quel moment? Je retente, hein. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont pas d'yeux, donc du coup, peut-être qu'ils me sentent. Peut-être que j'ai mis trop de parfum ce matin. Oh, ils m'ont repéré, là. Attendez. Si! Et ça y est, je suis mort. What the fuck, man? Ça va vite. Ça va vite. Et je crois qu'on va abandonner tout de suite, hein, parce que j'en ai marre. Genre, ils sont 90 millions là-haut, et on a aucun moyen de se protéger. On a déjà fait la tour de Durlag, à un moment, on abandonne. On vient pas de là, en plus. Si, on vient de là. Quel enfer. Une tâche facile. Y a pas un autre endroit pour passer, là? On est d'accord que la tour de Durlag... En fait, ce serait bien d'aller en haut. Changer de déo, je crois. J'avoue. Roland de la Tour Bresson. Est-ce que ce serait pas un axe, je sais pas. Est-ce que je retente encore une fois? Retente encore une fois, mais pour aller en haut. Allez, c'est parti. Oui, bien sûr. Cette fois-ci, on va aller en haut. Mais je comprends pas pourquoi le dernier là, il me capte. Mais what the fuck? Pourquoi il tue? Ah oui, mais non, c'est à cause de la flamme. Mon dieu, il a sa propre conscience, donc du coup il tape les basiliques, mais quel enfer. Et du coup, l'invisibilité ne fonctionne pas. Bon. Roland, à ton brosson, tu n'as plus de conscience, c'est fini. Boite ton truc et arrête de taper les gens, s'il te plaît. C'est ça, il flèche les gens, là. Ne flèche personne. Mais quel enfer, hein. On fait que passer, laissez-nous passer, on fait que passer. Voilà, merci. Voilà, je le laisse 3 secondes. Voilà, regardez, juste à côté, bam. Regardez, là, il me repère pas. Mais quel enfer, hein. Quel enfer. Tout ça pour ça, hein. Pour comprendre qu'il n'y a rien là-haut. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Allez, on se barre. Hein. J'en ai marre. Non, on va faire quoi? On va faire ça. Parce que... Nique le jeu. Voilà, c'est bon. Allez, hop, salut, on se casse. 5 morts en 8 minutes, JPP. C'est exactement ça, 5 morts en 8 minutes. Tout ça pour pouvoir juste repérer qu'en haut, il n'y a foutrement rien, quoi. Rien.
Et on cherchait un endroit en plus pour se barrer. Donc on va se barrer tout de suite, hein. Parce qu'on a déjà fait la tour de Durlag et c'est un enfer. Le basilic là, c'est de l'enfer. JPP. Allez, on se barre. On se barre. On se barre. Une tâche facile. Quel enfer. Quel enfer. Et tout ça parce qu'on n'a pas trouvé. Alors je vais regarder une carte, hein, parce que j'en peux plus. Une tâche facile. Je suis sûr qu'il y a. Je vous mets en petite pause, 3 secondes. J'avais ouvert voilà ça et je veux juste regarder. Baldur's Gate. Map. Parce qu'il y a un problème. Il y a des quêtes qu'on trouve pas. Parce que je pense que la map, on n'arrive pas à la trouver en entière. La 1. Arrêtez de parler de Baldur's Gate 3. On n'a pas l'argent pour ça, hein. Voilà. Alors, vous avez l'image. J'ai l'image. Même pas l'image. Le truc ne s'affiche pas. Niquez-moi. Niquez-moi. S'il vous plaît. Arrêtez. Entre ça et les basiliques. Mais what the fuck? Qui a dessiné ces trucs? Ah, ça y est. Oh. Mais j'ai cliqué sur l'image. Pourquoi tu m'as cliqué sur compagnon d'armes de Nick... de... Oh! Sauce Berry Ghost, mais what the fuck, man? Pourquoi c'est une image interactive? Voilà. Alors, ça ressemble à quoi? Le haut. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Ah, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 le bois de l'ars, ouais, ok. Ça, ok. Là. Il y a un phare ici. Ah non, c'est là. Ok. Ils ont mal fait la carte là. Ils se sont trompés entre les endroits. N'importe quoi. Ouais, 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 ouais. Bon, ok. Ulkin. C'est à cause de la tour de Durlag qui a été rajoutée quelque part. Le pont de flamme 20. Ouais. Là, il y a une... Là, il y a une mine, apparemment. Durlag Tower. Durlag Tower, elle est là. Là, il y a une mine, ici. What the fuck. Là, il y a la vallée de je sais pas quoi. Et là, il y a une mine, ici, aussi. Et ça, c'est normal, ça. Qu'il y ait autant de vide. Ok. Bon bah on va voir les mines, hein. Je sais pas quoi vous dire. Je comprends rien à la carte. Là apparemment il y a des trucs. On va aller voir le pont de flamme, hein. On a déjà fait 15 fois. Oui mais n'hésitez pas, donnez-moi de la thune. N'hésitez pas. Je vais fermer juste ça là. Je vais vous remettre comme si je vous voyais. Bien sûr l'argent hein, bien entendu. Hop. Hop, on continue. C'est fait. Découverte du monde, mais en fait on a fait tout. Ce qui veut dire qu'il y a des endroits qu'on n'a pas trouvé de quête. Je ne comprends pas. Et là j'ai duré 4 heures. Sauvegardons. Faisons dodo. Pourquoi il y a des zombies ici? Ah oui, c'est le pont de flamme. Okay. On peut pas lancer une horreur vite fait là. Voilà, c'est hop, bim. Une tâche facile. Donc le pont de flamme 20, on l'a visité de fond en comble. Pourquoi me tapent les gens? Pourquoi les gens me tapent? Pourquoi les gens me tapent? En fait, laissez-moi en fait. Il y a des trucs qui se passent la nuit. Je veux partir par là. Regardez bien où il passe. Pour aller là. Niquez-moi, hein. C'est par là qu'il fallait passer, hein. Comment vous allez descendre ici? Jamais vous descendez. Voilà, c'était sûr. Allez, on passe par là, du coup. Les gars me fatiguent. Après, on prend de l'expérience de 65, hein, en soi.
Sauvegarde, dodo. On va y arriver. Un jour, nous y serons. À la fin. Ok, ok. Donc. Alors, je soupçonne que ça doit être par là. À droite ou à gauche. Là, on a déjà fait tout ça, donc voilà. Ça avait l'air bien. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ah, peut-être ici, là. On va checker, là. Ah, bonjour. Vous avez des crânes. Monsieur les squelettes, bonjour. Allez, tape avec ta hache. Razad qui fait des... Je vous garde si vous réussissez. Mais surtout, restez bien là-bas, hein. On sait jamais. Oui, bien sûr. Pas de crâne. Ok. On rentre. Je pense qu'on est déjà allé là. Ah oui, c'est vrai. Oui, les tombes. Les charmes, tout ça. La mort. Non? Pas ça. Ah, attendez. J'ai cru qu'il y avait une ouverture, mais non. C'est fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait hein, voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Où sont Dorn et compagnie? Ouais, n'hésitez pas à venir nous accompagner. Donc on va aller au coin. Et on va choisir. Donc à droite, peut-être qu'il y a une mine. Un point de mine. Oui, en bas, il y a peut-être une mine. Il y a point de mine. On va aller là. Normalement, il y a une deuxième mine quelque part ici. À part s'ils sont foirés dans leur wiki. Ah, ça... Oui, ça, bien ah. Sûr. Ça là, peut-être. Il y avait une quête de Dorn qui était dans le coin. On a fait la quête de Dorn, mais il y a la quête de Razad. Je ne saisis pas comment on peut l'avancer dedans. Autre groupe. Voilà, donc la quête de Dorn était là. Toujours rien. On a dit qu'on allait faire les magasins, on va faire les magasins. Je suis désolé, mais là je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Les quêtes, c'est fini. Et on va faire dodo, t'inquiète, on va payer. Je vais te payer un truc. À la taverne du dragon qui rote ou. On va aller au temple. Besoin de Nashkel. On va dormir là déjà. Taverne du dragon qui rote ici, s'il vous plaît. Une tâche facile. Ah, je vais bientôt avoir besoin de repos. Oui, bien sûr. Allez, on se paye de l'hydromel. Apparemment, on se paye ici. Mais oui, mais d'accord, mais bon... Ils nous aident pas, les gens. Garnison, c'est pas là qu'on dort. Ça doit être là, hein, l'auberge. Une tâche facile. Paris, bonjour. Ah.
he left me, but... Oh, poor Hagar. Maybe it's better that I don't hear the details. Thank you for your help. But I must leave this place. C'est fait. To be alone. Yeah, c'était même pas une quête. Quelle histoire. Ah, on peut même pas se payer une royale. Je suis désolé, Razad. Pierre forte. Bon, alors, du coup, on va aller là. On va essayer de s'acheter des trucs pour Razad. Bonjour. Je cherche de quoi acheter un casque pour mon moine. Ah oui, c'est vrai qu'on lui vend des pots de glou de glace, là. 500 balles, on a gagné dans cette histoire. Alors, du coup, on va identifier. Tu n'identifies pas grand-chose, je trouve. Ouais, pas grand-chose. Ah, si, ça et ça. Ok, identifie-moi. La flèche plus 1, on va te la vendre. Hein. Ça ne sert à rien. L'anneau aussi. L'anneau, c'était quoi? Bon, on verra plus tard. Ouais, on cherche une main gauche de casse, j'avoue. Mais en fait, peut-être qu'il faudrait juste que j'enlève l'épée, parce que normalement, il se tape à main nue. Le bâton épieux. C'est intéressant, ça. La hallebarde plus 1. Elle était bleue, mais c'était pour aller se faire foutre, en fait. Ok, Razad, tu peux porter quoi? Le gourdin. Les dagues. Super. La fronde. Des épées longues, des épées courtes. Des billes. Pas de protection. Port de la pièce fatidique. Ok. Tout ce que j'ai vendu après. Ok. Ok. Ah oui, c'est vrai que j'ai rendu ce vendeur très riche. Avec ses scalpes de bandit. J'avais oublié. La cimetière, oui, c'est ça ce que j'avais porté à un moment. Plus un. Pas incroyable, quoi. L'épée maudite de Berserker, on l'a vendue parce que c'était maudit. Et le gourdin plus un. Ok, du coup, ça ne sert à rien pour Azad. On va revendre ça. Ça, ça, ça. Bâton épieux, faut que je check, ça peut être intéressant. Alors, cette défense, je pense que je vais le faire porter à quelqu'un. Hein. Ça coûte quand même 3000 balles, peut-être qu'on va le garder. La morsure sournoise, plus 3, ça, c'est je suis triste que personne ne peut le porter. Je crois que les bâtons peuvent être portés par Roland. Faut pas que je check, mais je crois que oui. Exactement. Le home de Kiel. Ah mais attendez, mais j'ai trouvé le home et je l'ai pas ramené. What the fuck. L'anneau des princes, on va garder. Le vainqueur. Qu'est-ce que c'est le vainqueur? Cet anneau, il était en fait... Il a une capacité de charge. 2D de 6, zone d'effet. Mais c'est incroyable, ça. On l'a trouvé où? Hop, hop. Le but dragon. Vendre. Le cœur du golem, on le porte toujours, mais bon. C'est juste parce qu'ils ont des noms un peu marrants. Hop. L'épée qui siffle. Ça, c'est vraiment l'épée qui tue. Bon, bah, merci, hein. Une tâche facile. Pour les 500 balles. Gratuit. On va aller voir le temple. Toujours pas de chaussures. Remarquons-le. Pour dormir, pas de chaussures. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Bonjour. Ah oui, c'est le mec qu'on a dit, ouais... Veille sur vous conformément à votre demande. Identifie ce que j'ai besoin d'identifier. Merci, les flèches plus 1, je m'en fous de ouf. Ah, des flèches de feu. Super, plus 2, incroyable. Flèche, de glace, baguette, d'effroi. Ouais, super. Que je peux pas utiliser, mais c'est pas grave. La baguette, de paralysie, super, que je peux pas utiliser. La mèche, de traité.
Compréhension. Ah, c'est pas mal. Terminé. Est-ce que tu peux nous vendre des trucs? Non. 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 Toujours pas. Faut rien lui vendre. Tiens, je te donne une pièce parce qu'on a beaucoup d'argent. Les rappels à la vie, ça ne sert à rien. En plus, le pire, c'est si tu te fais pétrifier, est-ce que le rappel à la vie est à l'endroit où tu étais? Regroupons-nous. Hop, déjà. Bim, 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 bim. Ah, mais non, c'est pas les mêmes flèches, je suis bête. 80, bim. Voilà, hop, ça c'est bon. Ça, bim. On stack, on stack, on stack. Bim. Ouais, ok. Ça, c'est bien. Mais ça, c'est pour ça, Revox, c'est pour plus tard. Ok. Mais le vieux livre du caster, on lui a pas donné encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Que faisons-nous dans ce jeu? Apparemment, on fait rien. Et d'ailleurs, on a gardé les collants. La culotte dorée, ça fait trop longtemps qu'on l'a. Aha, Jaira, tu peux utiliser ça. Utilise ça. Le vainqueur. Quelqu'un peut l'utiliser? Je veux que ce soit Razad qui utilise cette belle pièce. Merci. Ça. Ah, bon, d'accord. Ça fait quoi? Perforant, bâton, arme à deux mains, facteur de vitesse. Est-ce que ça peut aider notre cher... Non. Plus de dégâts, beaucoup plus de dégâts. Ah, c'est maudit. 3 points de dégâts perforants infligés au porteur. Mais on va la morsure sournoise, on va la vendre. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Personne peut utiliser ça, on va vendre. Je donne ça à Dorn. Ça, c'est quoi du coup? On va garder ça, mais je vois pas trop l'intérêt de l'avoir. Bon, d'accord. C'est une bague qui va partout. Hop. On va vous vendre un truc qui ne fait pas de mal à qui que ce soit, hein, bien sûr. Where is the... Je peux pas vous vendre des trucs. Salut. Re-salut. Le traité de compréhension, faut qu'on apprenne à ce que c'est, mais je pense qu'on va comprendre des choses. Les flèches, faut que je les donne. Pourquoi je les ai encore dans la main? La morsure sournoise, on peut pas la vendre. Ok. Du coup, je quitte. Salut. Pourquoi toi, t'as toutes les flèches là? Donne les flèches aux gens. Voilà. Hop. 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 Désolé pour la vibration. Ah, c'est pas les mêmes. Ah. Ok. Mordante à deux glaces, ok. Mordante et deux glaces, c'est pas la même chose. Oui. Clairement. Une tâche facile. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui. Facile. Donc, je disais, il faut qu'on trouve un moyen d'acheter des chaussures. Est-ce que Morzin, toi qui as fait le jeu, tu sais où on achète des chaussures? Quoi déjà? Le magasin. Ah oui, c'est là qu'il faut aller. Tâche facile.
Entre la pénurie de fer et tout le reste, je vends un petit objet. Plutôt tourné au ralenti, c'est... Il ne fait pas trop de mal aux gens. Mort sur son nom. Tiens, prends. On va te vendre ça aussi. Voilà. Peut-être qu'on va peut-être faire un truc avec le home de Kiel là. C'était pas dans une home de je sais pas qui là. C'est qui c'est le home. Bon, le home de Flamvin et Gullikin, ben on a essayé, on n'a pas trouvé. Cap, on l'a pas trouvé. Le home. Ça va dur. Ça va bien se finir tout ça. Je crois que là, on est très mal parti. On essaye d'équiper Razad, déjà. Magasin du silence à Baldur. Quoi ? Il y a vraiment des chaussures au magasin du silence à Baldur ? Non. On fait direction les magasins. Là, on fait tous les magasins. On est très très riche. On a rien acheté. On va passer au temple vite fait pour aller voir s'il y a des trucs. Je crois qu'il y a un magasin ici juste d'armes. Voir s'il y a. Une tâche facile. Regardez-moi ce chemin incroyable. Qu'est-ce que j'ai à vendre ? Je crois que j'ai plus rien à vendre. Hein. Ouais. Bâton épieux, je vais le garder. Du coup, il nous faut un truc pour Razad. Alors, Razad, est-ce que tu peux t'acheter des trucs ? Des dagues, des frontes ? Non, on s'en fiche. Les épées longues, on s'en fiche. Les billes, on s'en fiche. Les armures. Niquez-moi ! Il n'y a rien. On peut rien porter. Ça me flingue. Bon. Ok. Toujours pas de chaussures pour Dorn ? Non. Non. Voilà. Et notre chama, on fait quoi avec ? Maintenant, c'est fait. Ouais, s'il y a vraiment des chaussures au magasin du silence, c'est beau ce que tu viens de faire. On va aller à la boutique. Ah oui, mais la boutique, il veut que je l'enrôle alors que j'ai pas envie du tout de l'enrôler, lui. La maison de Landrin, les bottes, on les a ramenées ou pourquoi c'est toujours actif, là, cette histoire ? Jongleur jovial. On va aller à la maison de Landrin. Je comprends pas pourquoi c'est toujours actif, là, cette quête. Je pense qu'on a cassé la quête. Non ! Incroyable ! Il y a un wiki pour aller acheter des chaussures. Ah, je devais aller au temple. Non ! Ils ont fait un wiki spécial tellement il n'y a pas de chaussures dans ce jeu. Lol, allez, on va y aller. Hein. Ça se trouve, on va trouver autre chose. Tu sais que ça fait 50 épisodes qu'on cherche des chaussures. Hein. La base de ce jeu, pour moi, c'est d'aller chercher des chaussures. Si on trouve des chaussures, on peut aller battre Saravok. Je pense que c'est là où on va voir tout le skill à partir du moment où on a les chaussures. Tu cherches sans vraiment chercher. Oh, Raving Bell. Oui, bien sûr. Quelle provocation. Ouais. On se barre, on va aller à Baldur. Oui, bien sûr. Le skill, tu veux dire quand tu le laisses en auto ou... Oui, bien sûr, à partir du moment où j'ai des chaussures, je laisse tout en auto, tous les combats. J'y touche plus, je lève les mains. Je fais la technique Snoop Doggy Dog. Ah, il faudra que j'y aille. On va trouver les chaussures et c'est fini. Hein. Après, on arrête de jouer. Ah bah oui, attendez, pourquoi je jouerais avec la Solus ? Là, j'ai regardé la map, mais en fait, on l'a déjà découverte. Apparemment, on a déjà tout fait de la map. Donc du coup, il y a des quêtes que je trouverai pas. Finir le jeu sans jouer, oh là là. Il fut un temps, Raving Bell, où tu te faisais ban gratuitement. Sur ce stream, je trouve que c'est beau
que tu résistes encore dans le coin. Parce que j'y pense là. Hein. Taverne et auberge. On va... Alors, taverne et auberge. Bazar d'Aello, la chance. On va aller... Alors, c'est déjà, il faut qu'on trouve de quoi aussi. Bah oui, à l'artisanal. À l'époque, on n'avait pas tout accès à Internet, hein, je rappelle. Je crois qu'il me dit rien, lui. Lui veut pas me donner de l'argent. C'est moins cher. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ça, c'est un truc que je t'ai vendu. Tout... Eh, mais vraiment, il les vend moins cher parce qu'en fait, il les a pas identifiés parce que c'est aussi cher, ouais. C'est une vraie carotte, ce jeu. Allez, on se barre. Franchement, c'est pas possible, ça. Ouais. Entrée de la guilde des voleurs. On y est déjà allé, y a rien. Le bazar magique. Ah, le bazar magique, c'est vrai qu'on peut y aller. On va aller acheter des potions. Mais on a une époque où les manuels n'existent plus. C'est peut-être ça le problème. Bientôt avoir besoin de repos. Et oui, c'était pas clair non plus les manuels d'ailleurs. C'était ouais, en fait, faut cliquer sur la souris gauche, la souris droite, tu sais. J'ai un manuel de l'époque, ça parle pas oui. De chaussures. Incroyable hein, quand même. Hein. Ça parle pas de chaussures. Ils ont des trucs un peu incroyables. Des flèches. Oh, des chaos serpents, jamais vu ça. Qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert? 30 points de dégâts en 15 secondes? J'aime le lu? Tu arrives au bon moment. Nous sommes à Valdur. Et Morzin nous a donné accès où apparemment il y a un wiki pour aller chercher des chaussures. Nous avons cherché des chaussures au magasin du silence. Apparemment il y en a là-bas. Et j'essaye d'équiper notre bras gauche Razad, mais apparemment il a pas trop envie. Et en plus il faut que j'aille aux toilettes. Mais c'est dramatique ma vie là. Allez, on se barre. 30 PV en 30 secondes, comment ça? C'est fait. Oui, 30 PV en 30 secondes, c'est beau, hein. Faut que j'aille aux toilettes. Attendez. Faut que... Là, il y a une armurerie. On va à l'armurerie. Je passe aux toilettes. J'arrive. Bien joué pour la blague, Morvin. Bien joué. Bonjour. Vous êtes là? Alors, vous savez ce qui s'est passé? Vous allez rire quand vous allez savoir. Ce n'est pas un crash. C'est juste que je me suis trompé tout à l'heure en appuyant pour aller aux toilettes.
J'ai appuyé sur la dernière scène, et la dernière scène, eh bien figurez-vous qu'elle se déconnecte toute seule. Parce que c'est la scène de fin. C'est pour ça que Dezoubis a dit ouais, en fait, salut. Et n'oublie pas d'enregistrer ton live. Parce qu'en fait, c'était la fin pour lui. Pour 12 bis, en tout cas. Voilà. Blague. Ça va être très très chiant à remettre en place, ça. Bon, le magasin du silence, apparemment, c'est pas là. Pas grave, ça veut dire que... Ça veut juste dire qu'on est à la fin. On va trouver ces trucs. Je crois que c'est dans le coin, là. Dans le nord, en tout cas. On a déjà tout fait. Bim, 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 bim. Une tâche facile. Est. Oui, mais d'accord, mais pas loin. Temple de Home. Palais ducal. Oui, bien sûr. C'est les endroits où on n'a pas traîné, en fait. T'appelles. Est-ce que tu... Une tâche facile. Là, là? Pour traverser entrepôt. C'est fait. Moi, après moi, on m'a dit, la panne sur ma tronçonneuse, j'ai mis de l'huile de chêne à la place de l'essence et inversement. Ah! En fait, depuis le début, il aurait fallu une oreillette avec moi. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On a... Déjà, est-ce que ça fait pas partie de l'aide type manuel, du coup? Ouais, y a du... Mais là, on était déjà là. Ah, il était là, le magasin du silence. Oh là 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 là. Mais regardez-moi, comment vous voulez que je clique là? Où est l'entrée? Regardez. Où est l'entrée? Comment vous voulez que je sache que ici on peut rentrer? Regardez où je dois cliquer, ici. Une tâche Niquez-moi, facile. hein. Est-ce qu'on est déjà rentré ici? Je ne sais même pas. Bonjour. Si vous n'êtes pas Silence. d'amis, la police. Vous êtes mort. Pas de backseat. Je ne vous connais pas, mais je m'abandonne jamais à un enfant de la nuit. C'est presque par vengeance que le poing enflammé ratisse les rues maintenant. Le sanctuaire est gratuit en ce moment. Entrez et reposez-vous bien. Oh, mais moi je vais acheter des trucs. Ah! Une cape de protection. J'achète. Quand je vais acheter ça. J'aurais menti. On m'aurait menti. What the fuck? Est-ce que t'as des trucs au moins pour Razad? Même pas! Tout ça pour ça! Vous voyez que si je fais un malheur ici, je récupère des chaussures sur eux. Honte. En plus, ça m'a déclenché une quête que je ne trouve que j'ai déjà réglée. Où est le point fermé là? Que je casse ce truc. Bon. Tout ça pour Oui, ça. c'est fait. J'étais si content. On va dormir à côté, hein. Une tâche facile. Salut Dédé. On va y aller, hein, je suis désolé, mais... Oui, bien sûr. Heure pour moi. Vous voulez du whisky? Je vais payer ce... Je vais payer ce barman avec en achetant ces bières de sable doré pour avoir des informations concernant les bottes. Haha!
Avec la mort d'Entard de Cure d'Agent, il va falloir élire un grand-duc. Mais ça, je sais déjà. Je ne vais pas vous servir une goutte de plus, vous tenez déjà à peine debout. Vous feriez mieux d'aller cuver plutôt que de chercher les ennuis. Je ne vais pas vous... Quoi ? Est-ce que... Suis-je bourré ? Je suis bourré ! Je suis bourré ! Je suis bourré parce que je n'ai pas trouvé de... Attendez, c'est où ? C'est là. En état d'ébriété. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, Roland Latour-Bresson est bourré. Il y a un truc qui a été mis à jour, l'ascension de Sarévoque. Mais ça, on le savait déjà, en fait. Bon, j'espère que vous allez bien, Dédé et Clem Lelu. On va faire dodo, hein. Voilà. Morzin, bravo. Tu as émis de l'espoir dans notre cœur. Mais nous n'avons toujours pas de bottes. Nous n'avons toujours pas de bottes et nous avons connu pour la première fois Roland Latour-Bresson en état d'ébriété. Je ne sais pas quoi en dire, hein, mais voilà. C'est grave. C'est très très grave. Ce qui s'est déroulé sous nos yeux, c'est très très grave. Du coup, bon, je vais vous envoyer raider quelque part. Lancer un raid quelque part. Pam, pam. Ouh, il y a Calamity James qui est en place sur un sujet. Discussion et réflexion sur le care intra et intercommunautaire. Avec un trigger warning, bien sûr. D'ailleurs, il faut que je m'en occupe aussi pour demain. Demain, du coup, lecture de la race tue deux fois. Les 3-4 bots, il y en a littéralement 8 dans le jeu, se trouvent dans les vendeurs de l'extension Black Pit, ainsi que l'autre extension où en récompense de quête du jeu de base. Mais bah, du coup, le wiki avait menti. Et voilà, pas de bots dans le Baldur's, pas de bots dans le 1. Voilà, voilà, c'est ce qu'on nous apprend, c'est que tu marches pieds nus. T'inquiète pas, Morzan. On s'en doutait. Je m'en doutais depuis un moment. On a bien ri, exactement. Ça fait depuis 50 épisodes qu'on cherche les bottes. Toujours pas trouvé. Il nous manque que une paire de bottes qu'on a trouvé d'ailleurs il y a quelques épisodes. On a trouvé une autre paire de bottes pour Azad. Mais bon. Pieds nus. Pieds nus. On a fait tout ça pieds nus et Dorne finira pieds nus, ça révoque, je pense. Et voilà. Bon, on va voir Calamity James. C'est sujet à la trigger, apparemment, vu que c'est sur le care intra et intercommunautaire. Donc n'hésitez pas, si vous ne voulez pas aller là-bas, à aller ailleurs. En tout cas, allez voir Calamity, malgré tout, parce qu'il y a des trucs bien. Voilà. Et moi, je vais vous laisser, il reste 10 secondes. On se capte demain pour la lecture, du coup.